Affaire DE portée plainte à Putschu National dit ses vérités. Patkou Yao l'avait déjà dit depuis le 19 mai. Lors d'un live Facebook qui s'est tenu le jeudi 23 mai 2023, l'artiste ivoirien à Putschu National a demandé aux autorités ivoiriennes de libérer le blogueur ivoirien Observateur, encore emprisonné. À cette occasion, il en a profité pour adresser un message aux personnalités publiques ivoiriennes, critiquant leur tendance à porter plainte pour des INS Mueltes ou de simples critiques. Voici ce qu'il a déclaré. Matin, dès que tu parles quelqu'un, automatiquement la personne s'en va porter plainte. Genre, c'est devenu trop amusement en Côte d'Ivoire désormais. Genre, la justice de Côte d'Ivoire est devenue pour vos parents. Parce que vous avez une petite relation, en même temps chacun se lève pour aller porter plainte. Porter plainte contre tous ceux qui parlent de vous sur Facebook. Moi-même on me critique, on INS MULTE, on me dit que je ne sais pas chanter. Mais je n'ai jamais porté plainte. À un moment, pardonnez, modérez un peu. Demain, quand on ne parle pas de vous, c'est encore vous les mêmes qui avez besoin des influenceurs. Rappelons que le 19 mai, le chroniqueur Patkou Yao avait fait une vidéo similaire pour s'adresser aux personnalités publiques qui portent plainte n'importe comment. Voici ce qu'il a dit. Je vous demande pardon, cette histoire de porter plainte, laissez tomber. Ce que vous avez commencé là, ça commençait à TMUR Facebook. Maintenant on est limité, on peut plus dire ce qu'on veut, ça TMUR le game ivoirien. Moi ça me fait ML. Avant on était au sommet parce qu'on imitait le game américain. Maintenant c'est fini. Petit truc, vous portez plainte.